Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Action et Nose, mais je suis passée dans un petit magasin où je vais de temps en temps, c'est New & Co. J'ai pris un serre-tête comme ceci, donc avec un élastique, ça je l'ai payé 60 centimes, parce qu'en ce moment ils font tout le magasin à moins 70%. Du coup, j'ai pris ça. Je vais pas m'en servir pour mettre sur ma tête, mais je vais m'en servir pour un album ou un junk. Et j'ai pris aussi des micro-perles en verre, donc qui sont dorées. Donc on a des rondes et là on a des espèces de grains. Donc ça, pareil, 60 centimes. Maintenant, on va aller chez Nose. Alors chez Nose, j'ai pris des feuilles Bingo. Donc c'est pour le scrap, oui, c'est plus pour mon junk journal. Du coup, en fait, je vais vieillir les pages et je vais les coller dans mon junk journal. Donc je vous montre ça bientôt, vous inquiétez pas. Ça, il me semble que c'était 1,99€, donc il y en a quand même pas mal. Il y a 500 pages en tout, donc il y a plusieurs couleurs, il y a rose, bleu, blanc, vert et jaune. Donc voilà, petite nouveauté, j'ai trouvé les fleurs. Donc ces fleurs là sont à 89 centimes. Donc on a ce modèle donc de fleurs. Après on avait plusieurs coloris, mais j'ai pris qu'un seul coloris de chaque, à part celui là où j'ai pris deux coloris. Donc c'est des fleurs qui sont en velours, donc vraiment très jolies. Moi j'adore les fleurs, même si j'en fais beaucoup moi-même. Celle-ci, je me suis dit que j'allais pas pouvoir les faire, donc du coup, je l'ai pris moi-même. Donc voilà. Ça, je ne sais pas si c'est nouveau. Il me semble aussi, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc ça, pareil, c'était 89 centimes. Moi, j'adore les petites roses quand elles sont petites. Les autres paquets, je les trouve vraiment trop grosses. Et celles-là, je les trouve parfaites parce qu'on a des toutes petites, les blanches, des moyennes et des un petit peu plus grandes en rose. Donc ça, 89 centimes. On retourne sur les fleurs en velours, donc là on dirait des boutons, je trouve ça très très sympa, ça change des fleurs habituelles. Ça c'est pareil, c'est le genre de choses que je peux faire moi-même, mais étant donné que je n'ai pas de velours, bah je me suis dit allez pourquoi pas. J'ai pris d'autres fleurs, alors celles-ci je les trouve vraiment très très jolies. Donc il y avait plusieurs modèles, moi dans mon Action à Châteaudun, il y avait aussi des violettes il me semble, et il y avait encore une autre couleur mais je ne l'ai plus en tête. Donc celles-ci je les trouve magnifiques, elles étaient à 84 centimes, donc un petit peu moins chères que les autres. Donc juste trop belles, je vous la mets un petit peu plus près pour que vous voyez ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très joli, j'adore moi. En plus elles sont plates, donc ça c'est super quand on veut le mettre dans un album ou bien qu'on veut mettre dans un livre en fait. Parce que finalement en fait ça aide, ça met pas trop d'épaisseur contrairement aux autres. J'ai repris des rubans adhésifs parce que j'en ai besoin pour mon projet actuellement. J'en avais déjà acheté et je vous avoue que je les avais achetés et je ne m'en servais pas. Et là, je m'en sers à gogo. Du coup, j'en ai racheté plusieurs modèles. Donc, j'ai pris celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Donc ça, il me semble que c'est 89 centimes aussi. Voilà pour la dentelle et je me suis pris de l'huile à bébé, oui de l'huile à bébé pour le scrap. Donc prochainement je vais vous faire une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que je fais avec ça et voir si celle-ci fonctionne, parce que je sais que certaines fonctionnent mais celle de Action je ne sais pas. Donc ça je l'ai payé 1,28€. Hop, je fais un petit peu de place pour vous montrer ce que j'ai trouvé à un os. Alors on va commencer par là hein. Donc je me suis pris des grosses épingles comme ceci, donc elles sont vraiment très grosses, très larges mais petites. Donc ça c'était 75 centimes, donc ça c'est la marque Prima. Donc voilà, j'ai pris du washi, donc il me semble que ça c'était pas nouveau, c'était de la semaine dernière et j'avais hésité à le prendre
Et finalement, bah, je l'ai pris cette semaine parce que dans mon projet actuel, ça irait très bien. Donc les trois washi sont à 1,50, donc ça fait 50 centimes le washi. Franchement, on ne peut pas dire que ce soit super cher. Donc je l'ai pris. Donc il y a des oiseaux au centre, là des papillons, et ici il y a des fleurs, il me semble. Oui, des fleurs, juste ici. Je me suis trouvé, désolé pour le bruit, des embellissements en bois. Donc là, vous allez voir, c'est un petit berceau en fait, une petite poussette. Donc ça, c'était 79 centimes. Donc 79 centimes, je pense qu'il y en a une vingtaine dans le paquet, donc c'est vraiment pas cher du tout. On continue dans les embellissements en bois. J'ai pris ces cages à oiseaux. Donc là, je les ai pris en bois et je les ai pris aussi en modèle en blanc. J'ai pris les deux modèles parce que à 79 centimes, franchement, ça vaut vraiment le coup quand on voit le prix qu'on paye les embellissements en bois en magasin spécialisé de scrap. On continue toujours dans les embellissements en bois. Donc je me suis trouvé. Alors, je vais vous trouver l'autre package que j'ai pris deux. J'ai pris en blanc et en bois. Donc, j'ai pris des embellissements en bois comme ceci en forme de nounours. Je les trouve super adorables. Donc, là, je les ai pris en blanc et je les ai pris aussi en bois. Donc, ça, franchement, ils sont vraiment trop, trop mignons. Ils sont la taille au-dessus de ce que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer la différence. Vraiment plus gros. Sur ma main, vous voyez, ils sont quand même assez gros. J'en sortirai un, comme ça ce sera plus simple de montrer ça. Donc, hop, donc vous voyez, ils sont quand même assez gros. Et ça, le gros paquet, donc il me semble tout à l'heure j'en ai compté, il y en avait 24 dans un paquet et c'était 1,20 €. Donc franchement, 1,20 €, c'est presque des fois le prix d'un embellissement en bois dans certaines boutiques. Donc là, ça valait vachement le coup. Je me suis dit, je les prends. Et au pire des cas, j'en offrirai aux copines. Ou j'y changerai. Ou on trouvera toujours une solution. J'ai trouvé des embellissements comme ceci. Alors, on dirait des comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le mot. On dirait que c'est en plastique, mais je pense pas. Je vais l'ouvrir avec vous pour voir exactement. Donc, si en fait c'est en plastique dur, en plastique dur ou en ferraille? Non, c'est en ferraille. Donc en fait, c'est des tout petits embellissements. Donc là, vous voyez, là c'est un flocon de neige. Donc en fait, il est rose gold. Donc là, à la caméra, il rend pas du tout la couleur qu'il a réellement. Mais ils sont rose gold, donc c'est des petits embellissements en ferraille. Donc j'ai trouvé ça super sympa. J'ai pris deux boîtes de flocons de neige. Donc ça, c'était 79 centimes. Donc j'ai pris deux boîtes de flocons de neige. Bon, je sais, c'est pas la saison, mais c'est pas grave. Et j'ai pris une boîte d'étoiles. Donc je l'ouvre avec vous aussi. Donc ça, il restait dans mon Oz à Châteaudun, il restait une boîte de flocons. Donc si vous êtes intéressé, allez-y très très vite parce que je pense que ça va partir. Donc là, vous voyez déjà, il y a plusieurs tailles d'étoiles et franchement, c'est super, j'adore parce que c'est en métal. C'est pas en, je pensais que j'ai senti que c'était un peu lourd, mais j'étais pas sûre. Donc on a plusieurs tailles, on a les toutes petites, les grandes. Et les moyennes. Donc on a trois tailles d'étoiles et franchement je trouve super joli. C'est en métal et bah ça change. J'avais jamais eu d'embellissement comme ça pour le moment et je trouve ça super. Donc ça franchement c'était 79 centimes. Donc ça je pense que en magasin ça doit coûter bien bien plus cher. Donc, je vais pousser un petit peu. Hop. Je pense que j'ai pas réussi à remettre tout correctement dans la boîte. Hop là, les toutes petites qui veulent pas se ranger. Donc voilà pour les embellissements en ferraille. Après, je me suis repris des petits nœuds comme ceci. Donc là, c'était un peu, ils sont un peu marron clair. Donc vu que je suis dans un
projet un peu vintage. Je me suis dit que c'était pas mal. Donc, vous voyez, c'est des petits nœuds avec un trou. Donc, ça, c'est des petites perles, quoi. Ça, c'était 75 centimes. Après, j'ai repris un petit savon et une petite ballotine comme ça. Ça, c'était 75 centimes. Alors, je suis très contente parce que ça, je l'avais vu dans un haul. Je le voulais et je l'ai trouvé. Il n'y en avait qu'un seul et je le trouve trop mignon. C'est de la dentelle sur un bouton. Donc franchement, j'ai hâte de le mettre dans mon projet parce que je trouve ça vraiment trop mignon. Alors, il y avait un truc que je voulais absolument, que j'ai vu dans un haul. Et en fait, arrivé dans mon nose, je le vois, mais ouvert. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve. Les gens à nose, je sais pas ce qu'ils pensent. Ils pensent que nose, c'est chez eux où ils foutent le bazar. Et ça, c'est énervant parce qu'ils avaient ouvert le paquet. Et donc, du coup, tout était à droite et à gauche. Du coup, j'ai pas pu le prendre parce qu'il manquait des choses. Et j'étais très très déçue parce qu'il n'en avait qu'un seul. Donc, j'étais un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, je me suis rattrapée avec d'autres choses. J'ai trouvé ceci. Donc ça, je trouve vraiment ça trop mignon. Donc, c'est de la marque Toga. Et il y a plein de petits embellissements. On a des boutons, je pense qu'on a des brads. Donc, voilà, ça c'est très sympa. On a du ruban juste ici, un peu effet velours. Donc, ça sera pour les albums de ma fille. J'adore le petit cœur en bas, les petits oiseaux. Franchement, il y a pas mal de choses assez mignonnes. Là, le petit nuage aussi, c'est vraiment très joli. Donc, ça c'était un petit peu plus cher. C'était 1,99€, pardon. Donc, oui, j'avais pas vu. Il y a 16 brads et 6 boutons. Donc les 6 boutons je les vois pas, les brads je pense, 1, 2, 3, 4, 5, il doit y en avoir un sous l'étiquette, donc ça c'était un petit peu plus cher, 1,99€ de la marque Toga. Donc voilà, dans le l'endroit mariage, en fait il y avait plein de petites choses, des petites sacs, des petites choses comme ça, les petits nœuds que je vous ai montrés, et en fait j'ai pris des petits sachets donc, qui ressemblent à ça. Il y a marqué With Love, il me semble, dessus. Ouais, c'est ça, With Love. Donc, il y a 6 petits sachets. Donc, ça, c'est pour mon projet. Donc, c'est des petits sachets vintage. Donc, ça, à la base, c'est des photophores. Moi, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Mais voilà. Donc, ça, c'était 75 centimes. Après, je me suis trouvé. Alors, ceci. Alors, j'essaye toujours de comprendre comment ça fonctionne, mais j'ai lu et relu et j'ai pas compris. Donc, en fait, c'est des embellissements comme ceci. Donc, vous voyez, il y a des petits trucs dessus. On voit avec la lumière. Donc, derrière, il marque Before, After. Donc, je pense que quand on fait quelque chose dessus, ça change de couleur, mais impossible de savoir comment on fait. Si l'une de vous sait comment on fait, donc je vous le montre, hein, le paquet. Donc si l'une de vous sait comment on fait, bah, dites-le moi, parce que j'essaye de comprendre avec ce qui a marqué sur le paquet, mais impossible de savoir. Donc je vais aller regarder ça sur internet au pire des cas, et si l'une de vous peut m'expliquer, ce serait super. Donc vous voyez, en fait, il y a marqué Before, After. Donc sûrement que ça, c'est quand c'est normal. Et quand on fait quelque chose, ça change de couleur. Donc, bah écoutez, je sais pas. En tout cas, il y a un modèle Paris, juste ici, là. Il est trop... Modèle Paris, là, il est vraiment très, 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 très joli. Désolée, on a été coupé. Du coup, je disais, on a un modèle Paris juste ici. Il est vraiment trop mignon. Malheureusement, il n'y était pas dans mon os. Donc ça, c'était 75 centimes. Après, j'ai trouvé des tampons. Donc ça, c'est parfait parce qu'en ce moment, je m'en sers. Donc des tampons cadre. Donc ceux-là, ils sont très jolis. Ils sont bien, bien dessinés autour. Ça c'était 2€ moins 60, pardon. Après j'ai pris alors des cartes, donc oui pour le scrap, c'est pareil, c'est comme les cartes de bingo, je vais les vieillir et je vais m'en servir dans mon projet que j'ai actuellement.
Après, j'ai trouvé des serviettes. Donc oui, en ce moment, j'essaye le serviettage sur le papier. Donc c'est pas facile selon comment on fait et tout ça, mais j'essaye. Et celle-là, j'ai trouvé vraiment très jolie. Et ça fait un peu vintage. Donc on verra ce que ça va donner. Celles-ci, elles étaient à 99 centimes les 20 serviettes. Après, j'ai trouvé... Alors, c'est de la... Comment ils appellent ça? Alors, je sais pas exactement comment ils appellent ça. Je pense que c'est de l'encre. Produit effet nacré, mais ils disent pas watercolor. Bah, ils disent pas exactement comment ça s'appelle, mais en fait, donc ça fait effet nacré. Donc, moi, j'adore tout ce qui est nacré, doré, tout ça. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, c'est nacré. C'est juste trop, trop beau. Moi, j'adore. Regardez sur mon doigt, peut-être que vous allez mieux voir. Vous voyez, franchement, c'est vraiment trop joli. Moi, j'adore. Donc, là, oui, dans le creux de ma main, peut-être que vous voyez mieux. Moi, j'adore. Donc, ça, en plus, c'était vraiment donné. C'était 50 centimes. J'aimerais bien connaître le prix en magasin. Ça doit être minimum 5 euros. Il y en avait 3 et je me suis laissée influencer par ma mère. J'ai pris les 3. Donc, voilà. J'ai pris des stickers. Donc, c'est des stickers un peu mousse. Donc, ils sont assez spéciaux, mais je les trouve vraiment très, très jolis. Je vous montre ça tout de suite. Donc là on a un éventail, là on a un masque, là on a une demoiselle qui fait du French Cancan. Donc on a pas mal de choses. Donc ça c'était vraiment assez mignon. Ça c'était 50 centimes. Donc ça il y en avait pas mal dans mon dose. Moi j'en ai pris deux parce que je pense que je vais en offrir un. J'ai aussi trouvé des embellissements en bois de la marque Toga, mais rien à voir avec ceux que j'ai pris tout à l'heure. Ce sont des petits lapins, donc je les ai trouvés vraiment trop choupinous. Donc ça, c'était 79 centimes. Vous voyez, il y a plusieurs modèles. On voit les modèles juste ici. Ça, j'ai pris deux boîtes parce qu'à ce prix-là, ça vaut le coup. Il y en a 25 dans la boîte. Ça, je l'ai pris parce que je vais m'en servir. Bon, je vais m'en servir dans les albums de ma fille. Donc, j'en ai plein qui vont arriver. Du coup, je me suis dit, on les utilisera, il n'y a pas de souci. Après, j'ai trouvé des déco-patchs. Donc, vraiment trop mignon. Regardez-moi ça. C'est franchement trop mignon. C'est un petit garçon et une petite fille. Là, le petit lapin est vraiment trop mignon. Les petits poussins. Là, à nouveau, les enfants qui font un anniversaire. Là, on dirait qu'elle a été chercher des œufs. Là, on a une frise. Donc ça, franchement, trop choupinou. Ça, c'était 50 centimes. Donc vraiment pas très cher. Et j'en ai pris deux. Je pense que je vais en offrir aussi un. Donc ça, c'est la même gamme, en fait, que celui-là. Parce qu'on peut voir derrière. Les modèles sont un peu pareils, enfin, quasiment pareils. Donc regardez, il y a plusieurs modèles. Si les autres modèles sont dans les autres noses, bah, vous avez bien de la chance parce qu'il y en a vraiment des très jolis. Et sur celui-là, il y a des similitudes. Donc voilà. Alors j'ai trouvé ceci. Alors je ne sais pas exactement comment ils appellent ça. Je sais pas, il y a 8 pièces. Donc, ça se présente comme ça. En fait, c'est un peu. Là, vous voyez, c'est un peu en surépaisseur. On dirait des perles. Non, pas des perles, des billes plates. Donc, voilà, ça, j'adore, moi. Trop mignon. Donc, ça, c'était 75 centimes. Pareil, j'en ai pris deux, parce que je vais en offrir un. J'ai trouvé ceci. Donc, ça, moi, j'adore. Donc c'est pas facile à utiliser, ça c'est vrai. Mais là c'est gris marron avec des toutes petites roses qui sont juste magnifiques. Donc, attendez qu'il fasse le point. Donc là on voit les toutes petites roses. Ça c'est vraiment trop trop beau. Ça en fait on s'en sert comme ceci. Donc là il y en a un, là il y en a un. C'est vraiment trop beau, moi j'adore. Ça c'était pareil, 75 centimes, donc vraiment pas très cher.
J'ai trouvé des pinceaux, donc oui, encore des pinceaux. Les pinceaux, on s'en sert toujours. Moi, personnellement, je m'en sers beaucoup. Donc là, c'est un lot de pinceaux. Il y a plusieurs pinceaux différents. On a esquisse, on a le frambourgeois, on a plein de pinceaux différents de marque. Et moi, je l'ai surtout pris pour le petit gros, juste ici, le petit gros pinceau. Juste là, désolé pour les reflets, hein, mais on est le soir, du coup, j'ai pas le choix. Donc ça, je l'ai pris pour les pochoirs. Donc au début, je suis arrivée et je l'avais pas vraiment remarqué parce qu'il y avait plusieurs sortes de paquets. Et du coup, celui-là, j'avais pas vu, j'étais passée à côté. Et en fait, je suis revenue dessus, je sais pas pourquoi. Et je suis tombée sur ce paquet et j'ai dit, ah oui, celui-là, je le veux pour le petit pinceau en priorité. Et les autres, bien sûr, je vais m'en servir. Donc ça, c'était 90 centimes. Et il y a quand même pas mal de pinceaux. C'est un set de 10 pinceaux. Donc 10 pinceaux pour 99 centimes, ça vaut vraiment le coup. Moi, personnellement, j'achète pas de pinceaux en magasin. Donc je sais pas combien ça coûte, mais je pense que ça doit coûter cher. Donc je suis retombée sur les œillets Maé. Donc la dernière fois j'en avais pris des noirs et j'avais pris quelques couleurs. Donc là il y avait du bleu non du bleu ouais bleu clair. Il y avait du bleu foncé. Donc le bleu clair il n'y en avait qu'un seul. Il y avait beaucoup de bleu foncé. Moi j'ai pris deux boîtes. Donc des bleus foncés j'en ai pris deux boîtes. Et il y avait des blanches comme ceci. Donc ça, pareil, j'ai pris deux boîtes. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'était 79 centimes. J'ai repris une boîte de vert comme ça. Donc ça, j'en avais pris une boîte la dernière fois. Et là, j'en ai repris. Donc je le trouve vraiment très très bien ces œillets. Et puis pour le prix, franchement, 79 centimes, ça vaut le coup. J'ai pris une bobine de ficelle de jute. Donc ça, pour mon projet actuel, c'est parfait. Donc je pense que vous connaissez tous. Franchement, c'est pas cher. C'est 1,50 la grosse bobine de 100 mètres. Donc franchement, on peut en faire des choses avec ça. Donc ça, c'était 1,50 € et je suis tombée sur une grosse bobine je sais pas comment ils appellent ça. Bah, c'est de la jute aussi. Donc en fait, c'est de la jute tissée. Donc moi, j'adore. Et surtout pour mon projet actuel qui est vintage, ça sera parfait. Enfin, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Ce sera plus simple. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, c'est doublé. Mais là, vous voyez. Là, c'est pas doublé, en fait, ça fait des petits carrés comme ça, c'est vraiment trop mignon. Donc voilà, et ça c'était 1,99 €, donc la grosse bobine, franchement 1,99 € ça vaut le coup quand on achète ça en magasin, parce que souvent on achète ça quand on veut faire des décorations pour des mariages, des choses comme ça, et je pense que c'est minimum 5 €. J'ai trouvé un tampon, donc un tampon fleur, c'était dans le bac à moins 50. Donc je me suis dit pourquoi pas, il est pas top mais je pense pouvoir m'en servir. Donc ça c'était 75 centimes moins 50. Bah écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Ah si, je voulais montrer quelque chose que j'ai trouvé. Donc je me suis acheté des céréales. Donc moi j'adore les licornes, oui je fais une fixation sur les licornes et j'ai trouvé ces céréales chez Noz. Donc c'est des céréales américaines, il me semble, licorne. Donc j'étais super contente, j'ai hâte de goûter. Et je vous en dirai des nouvelles. En plus, c'est sans gluten. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas manger tout ce qui est avec du gluten, hein, Angélique, bah, vous pourrez manger ces petits céréales. Donc c'était 1,49 € le gros paquet. Quand vous allez dans des magasins spéciaux où ils vendent des choses qui viennent des États-Unis, la boîte, moi j'ai déjà vu la boîte à 5 € parce que bah, il faut importer, donc pour eux ça le fait cher. Et du coup, moi jamais de la vie je mettrais 5 € dans une boîte de céréales. Donc là pour 1,49 € je me suis dit pourquoi pas. Eh bien, je verrai ce que ça donne et je vous en dirai des nouvelles.
Donc voilà. Mais écoutez, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager pardon, un maximum ma vidéo. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.